Je vois des choses flotter devant mon œil. J'ai nettoyé mes lunettes et frotté mon œil, mais ça ne passe pas. C'est normal, car ces corps flottants sont liés à des modifications à l'intérieur de votre œil, et plus précisément dans le gel qui remplit l'œil, qu'on appelle le vitré. Ce gel transparent s'est rétracté au centre de l'œil, ce qui a entraîné un décollement de sa paroi par rapport à la rétine. À l'arrière de l'œil, ce décollement est appelé DPV, pour décollement postérieur du vitré. La paroi du gel se retrouve devant la rétine et vous pouvez la voir flotter, le plus souvent sous la forme d'un moucheron ou d'un filament. Et ils vont rester combien de temps ? Ces corps flottants peuvent vous accompagner pendant quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois. Leur durée d'évolution est imprévisible. D'accord, mais existe-t-il un traitement pour être moins gêné ? Il n'existe pas de traitement avéré. Pour tout vous dire, il existe des compléments alimentaires dont l'efficacité reste discutée. Mais c'est grave, docteur ? Non, les corps flottants ne sont pas graves, dans le sens où ils ne menacent pas la vision. Attention cependant, car le décollement du gel s'effectue aussi au niveau des bords de la rétine, qui sont plus fragiles et risquent parfois de se déchirer. C'est rare, mais certains signes doivent vous faire consulter rapidement. La survenue d'éclairs répétés, comme des flashs, ou l'apparition de multiples points noirs, comme une pluie de poivre, devant un œil. Si votre ophtalmologiste constate une déchirure de rétine, il effectuera du laser pour éviter des complications.